Bienvenue dans le salon de musique de Nova. Bonjour aux trois mâts. Une belle pluie de cordes, celle qu'on aime quand le mât comme Maroc est représenté par le virtuose du oud Driss El Maloumi. Bonjour, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Mât comme Mali avec Balaké Sissoko et sa kora magique. Mât comme Madagascar, merci Radjer de faire résonner votre valise comme vous le faites avec tant de talent depuis, disons, bon, 35 ans. Nous fêtons aujourd'hui la réunion de votre trio. Après un premier album sorti en 2006, vous voici de nouveau ensemble dans Anna Rose. Vous jouerez le 14 janvier au Théâtre de la Ville, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous êtes maintenant sur Radio Nova. Quel premier morceau avez-vous choisi? Bah merci, le premier morceau s'intitule tout simplement Anna Rose, qui veut dire dans la langue amazigh berbère l'espoir, tout simplement. Voici donc Anna Rose. Merci. Prochain Merci morceau. Le prochain morceau s'intitule Moustique, tout simplement. Musique.
Merci beaucoup Driss El Maloumi du Maroc jouait le oud, Radjer Levali de Madagascar et Balaké Sissoko la Akora du Mali, une belle panafricaine. Dira-t-on pourquoi moustique au fait? Le thème du moustique, il inspire dans tous les pays. Bah, tout à fait, en fait, pour être très objectif, le moment où on a enregistré ce morceau, tout simplement, on avait un petit problème avec un petit moustique dans le petit espace où on enregistrait le morceau. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas. Et puis aussi, cette symbolique du moustique, un petit insecte qui peut faire beaucoup de mal, comme des petites notes qui peuvent aussi atteindre énormément de choses. Et des notes qui peuvent nous soigner, tout comme à fait. Vous le faites exactement. Maintenant. Un dernier morceau? Oui, le dernier s'intitule Anfas. Anfas qui veut dire les souffles.
d'émotion, merci beaucoup. Merci les trois mâts. À très bientôt, le 14 janvier au Théâtre de la Ville à Paris. Le 22 mars, vous serez à Portes-les-Valences, au sud de Valence, dans la Drôme. Évidemment, je parle de l'année 2018. Et votre album, Anna Rouz, donc, est sorti chez Mad Minute Musique. À très bientôt.